cérémonie. Et je commence d'abord par remercier l'autorité administrative chez les préfets. Je vais témoigner un peu sur ces autorités qui sont là devant nous. Je suis prénipotentiaire de la coalition Euro-Ascani. J'ai été aussi prénipotentiaire lors de la campagne électorale présidentielle. Les préfets qui sont là devant nous sont de grands hommes. Et c'est les administrateurs qui jouent leur fonction, qui sont des encadreurs, qui nous ont accompagnés. Ils n'ont jamais pris parti pendant tout ce processus. Lors des élections présidentielles comme locales. Je l'ai toujours dit à mes amis que nous avons un soutien. Nous souhaitons vraiment qu'ils durent avec nous. Nous souhaitons vraiment qu'ils habitent même dans notre commune. Parce que le barbeau a mis dans les gens qui ont été. Et je profite aussi pour remercier les présents. Le maire sortant et les anciens PCR qui étaient là, Abadiata, Solo Gassama et autres. Je remercie aussi les neuf qui sont là. On a tenu qu'ils soient là parce que c'est nos sages, c'est nos conseillers. Nous avons besoin de leur prière. Et Alhamdulillah, tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui, il n'y a pas eu de chemaillement parce que j'avais peur de les inviter et de voir quand même d'autres visages ou bien d'autres comportements qu'elle est sortir ici. Mais alhamdoulilah, tout s'est bien passé et je sais ça. Les prières ont beaucoup joué dans ce qui s'est passé aujourd'hui. Les conseillers, j'ai invité aussi les autres candidats, ils étaient là, de Walou, de Buntubi, et aussi de UCS, et ceux qui étaient là aussi, Benoît avec le maire sortant, ceux qui étaient aussi récalés, ceux de Fargon, de Fargon sont là. Donc c'est pour montrer que nous sommes une famille. Nous ne sommes pas des ennemis, on n'était que des adversaires. Mais Dieu a choisi, c'est Dieu qui choisit. Et Dieu a choisi, j'ai dit tout le monde, que nous soyons tous ensemble. Parce que la commune là, si nous réussissons, ce n'est pas le maire qui a réussi, c'est tout le monde qui a réussi. Donc, nous sollicitons vraiment la compréhension, la solidarité. Donc moi et mes conseils nous sommes ouverts. N'importe qui, à n'importe quelle heure, s'il a des suggestions, s'il a des idées, qu'il veut vraiment nous soumettre, nous sommes prêts à le recevoir et à l'écouter. Parce que, comme je l'ai dit pendant la campagne, nous sommes tous des maires. Même ceux qui ne sont pas conseillers sont des maires. Nous n'ont qu'à se considérer comme des maires. Donc, pour cela, je souhaiterais que nous tous qui sommes ici, qu'il n'y a pas de parti politique ici. Il n'y a que la commune de Kataba qui est là. Ce sont les fils de la commune de Kataba qui sont là. Et cette commune ne peut être développée que par ses fils. De tout bord. Je terminerai par dire à mes sages qui sont là. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos conseils. Si vous entendez des choses, vous voyez des choses qui ne vous semblent pas correctes, venez, appelez-nous, on viendra répondre. Les gens vont parler. Ce que je demande aux gens qui sont là, qui sont les conseillers et les maires qui sont là. Évitons qu'on dise des choses de nous mauvaises qui sont réelles. C'est surtout ça. Mais si ils racontent des choses qui ne sont pas réelles, même si c'est mauvais, c'est pas grave parce qu'elles ne sont pas sur ce sujet-là.
S'ils disent des choses qui sont bonnes, alhamdoulilah. Mais si des choses qui sont mauvaises, évitons que ces choses-là soient avérées. Donc c'est le conseil que j'ai à donner ici. Et j'invite tout le monde à serrer les mains, à être ensemble pour amener le développement dans cette commune. Merci beaucoup.